Salut, c'est Clip d'ici. Cette semaine, dans le mag musical de TV7, vous avez un beau rencart avec un personnage incontournable de la scène bordelaise, et ce depuis près de 20 ans. Il s'appelle Milos Assian, programmateur, producteur, dénicheur de talent, talent lui-même, un musicien multicasquette tombé dans une grande marmite de musique du monde entier lorsqu'il était minot. La musique de Milos est rare, racée, sans complexe et sans bon le périple oriental, africain ou encore sud-américain. C'est simple, Milos Assian, c'est l'amour des grands espaces entre indie rock désertique et rythmé ou référence de partout ailleurs. Et le pire, c'est qu'on a failli perdre sa trace en 2008 lorsque son bar, désormais culte El Inca, a fermé ses portes, un lieu qui avait permis à bon nombre d'artistes néo-aquitains de jouer, de connaître et de se faire connaître. Il a ensuite monté le Kitchen Studio, un studio d'enregistrement au tarif ajustable à toutes les bourses qui a permis à de nombreux talents d'enregistrer, le tout estampillé d'un nano-label alternatif. Quelques albums plus tard, Milos Assian a fait son chemin et ce qui est important pour lui, c'est que tout n'est qu'échange. La musique se porte et se transporte. La musique se regarde également avec le premier extrait de l'album Breath In, Breath Out. Je vous raconte l'histoire du tournage dans un instant. Voici le très joli clip de Out in the Cold, Milos Assian dans Clip d'ici. Have I ever been rewarded? Running against the others, vitamins don't work anymore. On the land of tiny strangers. Oh. Out in the Cold, c'était l'excellent Milos Assian dans Clip d'ici, la belle histoire d'un coureur professionnel dont la vie va sombrer, mais qui finalement va retrouver espoir. Un clip produit par Milos lui-même, réalisé par Lisa Mallet et Étienne Cimetière-Cano, avec les acteurs Damien Richard et le toutou Axel. Une belle histoire d'amitié entre un homme et un chien, un clip qui, quelque part, reflète l'univers de Milos.
C'est finalement dans les moments les plus difficiles que l'espoir peut renaître. Bon, pour la petite histoire, Axel a beau être un excellent toutou acteur, il aura fallu quand même la bagatelle de 3 sandwichs pour arriver à le canaliser et le faire tenir en place. Et vous, allez-vous tenir en place jusqu'au prochain clip d'ici ? De toute façon, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même lucarne, sur TV7.